La régulation, c'est remettre le système dans un état de marche souhaitable. Voilà, on peut définir la régulation de cette matière-là. Alors, la régulation, bien sûr, elle impacte déjà et elle nécessite le sous-système d'information. L'entreprise ne va pouvoir être alertée sur des dysfonctionnements qu'avec son système d'information. Et il est évident que l'informatisation des entreprises a changé beaucoup de choses hein, dans la manière de concevoir et de traiter les dysfonctionnements de l'entreprise. Cette centralisation de l'information, cette plus grande complétude de l'information, parce que recueillir, traiter, stocker de l'information coûte beaucoup moins cher aujourd'hui que ça ne coûtait hier, donc on a une information beaucoup plus complète, avec un risque, hein, vous savez tout ça, cet adage, trop d'informations tue l'information, donc avec le risque de noyer l'information essentielle sous des masses de détails qui n'ont aucune importance. Mais, en tous les cas, j'attire votre attention sur le fait que les systèmes d'information informatisés sont extrêmement pertinents hein, du point de vue de la régulation de l'entreprise. Ça suppose aussi, donc, on a une information sur le problème. Et ça suppose un système de décision derrière. C'est-à-dire, comment apporte-t-on une solution au problème? Je note aussi que dans le système d'information, vous pouvez avoir des informations sur la solution au problème, éventuellement. Malheureusement, le cas le plus fréquent, c'est que la solution, c'est à vous de vous la chercher. Il n'y a pas forcément d'expérience sur le problème qu'on a à traiter. Donc, on doit décider de la solution. Alors, chacun décide des solutions à son niveau. Ainsi, on distingue les décisions stratégiques prises par le dirigeant sur des choses qui impactent à très long terme les entreprises, décisions d'investissement massif, ouverture ou fermeture de sites, acquisition d'entreprises, lancement de nouvelles activités, hein, donc tout ce qui impacte le devenir de l'entreprise à long terme, donc décisions stratégiques. Des décisions tactiques, c'est-à-dire des décisions qui sont prises au niveau, si vous voulez, des responsables fonctionnels, hein, c'est donc sur le middle management que sont concentrées généralement les décisions tactiques. Alors elles sont au service des décisions stratégiques, les décisions tactiques. Hein, c'est comment on fait précisément pour appliquer la stratégie. Et puis, au niveau infra, hein, et c'est là où les problématiques de décentralisation prennent tout leur sens, eh bien, il y a les décisions opérationnelles, c'est-à-dire l'ajustement du salarié de base, prendre la décision de réapprovisionner le linéaire de pâtes dans le supermarché avant que le chef de rayon m'ait dit quelque chose. C'est une décision de régulation opérationnelle. Hein, donc, très très important donc, que cette régulation se fasse correctement à tous les niveaux. Donc, c'est le principe de cohérence entre les trois niveaux de décision. Si notre manutentionnaire dans notre supermarché a manifesté toute l'autonomie nécessaire pour remplir le linéaire de pâtes alors qu'on ne lui a pas demandé, c'est qu'au niveau stratégique, on a décidé que le supermarché, eh bien, ce serait l'enseigne qui offrirait le meilleur service à ses clients. Et donc, il y a une cohérence entre la décision et l'action finale de l'opérationnel et la décision stratégique. Sous-système de contrôle, évidemment, dans le mécanisme de régulation, c'est très très important. Alors, on va contrôler si les décisions qui ont été prises, elles sont bonnes, et si elles ont été, c'est deux choses différentes, deux problèmes différents. Est-ce que la solution est bonne? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a permis de résoudre le problème? Ça, c'est une première question. Et deuxième question, est-ce que la décision a été bien appliquée? Hein, ce sont, encore une fois, deux problèmes totalement différents. Alors, c'est pour ça qu'on contrôle. Et on contrôle les deux aspects. Alors, il y a un contrôle stratégique. Contrôle stratégique, est-ce que les objectifs stratégiques qu'on s'est fixés, par exemple,
devenir leader européen sur notre marché, et généralement c'est même plus précis que ça, dépasser par exemple les 20% de part de marché au niveau européen. Donc on regarde si on a atteint l'objectif qu'on s'est fixé. Mais la régulation, elle ne s'arrête pas là. J'ai atteint, j'ai pas atteint. Après, il faut savoir pourquoi j'ai atteint ou pourquoi j'ai pas atteint. Donc la régulation, elle est aussi sur le choix de l'objectif. Est-ce que l'objectif a été bien choisi? Est-ce que l'objectif a été atteint? Mais d'abord, est-ce que l'objectif était un bon objectif? Hein? Donc le contrôle stratégique, il est aussi, il impacte la qualité de la décision du stratège. En même temps. Contrôle de gestion, qui est un contrôle tactique, puisque le contrôle de gestion va se faire au niveau des fonctions, au niveau des services ou des ateliers, donc déjà à un niveau constitué. Hein. Contrôle de gestion qui va se faire, par exemple, par des tableaux de bord adaptés aux réalités des activités de l'endroit du système où on se trouve. Et puis, le contrôle opérationnel, bah, est-ce que les gens, concrètement, dans leur vie professionnelle de tous les jours, ils font ce pourquoi ils sont payés? C'est le contrôle opérationnel. Et la qualité, alors c'est à la fois la quantité, la nature de ce qui est fait, et la qualité de ce qui est fait. Donc, des contrôles à tous les niveaux. Alors, le dernier problème à voir, qui est là aussi extrêmement intéressant, et que nous invite à aborder la théorie systémique, c'est la question de la frontière du système. Parce qu'un système, ça a évidemment une frontière. C'est-à-dire qu'on doit être en capacité de distinguer ce qui est lui de pas lui. Ah bon, généralement, dans les systèmes vivants, on n'a pas trop de mal, nous, à savoir ce qui est nous et ce qui n'est pas nous. Hein? Mais dans le cas de l'entreprise, on va voir que c'est un petit peu plus complexe que ça. Alors, distinguer, comme je le disais, le système de ce qui n'est pas lui ou plus lui. Hein, donc le système, formellement, on a appris l'outil, il est délimité par sa structure organisationnelle. Structure organisationnelle qui est représentée par un organigramme de structure. Et donc, avec cette... c'est une carte, hein, et la frontière... Et la carte, ça fait plutôt bon ménage. Et donc, l'organigramme, c'est une carte synthétique de l'ensemble des dimensions de l'entreprise. Notons que déjà dans cette représentation fournie par l'organigramme, on a un certain nombre d'activités ou de fonctions qui se situent au poste frontière. C'est-à-dire qui se situent à la limite entre ce qu'est l'entreprise et ce qui n'est déjà plus elle. Exemple, la fonction commerciale. Hein, le commercial, il est tantôt à la maison, tantôt chez le client. Donc on voit bien qu'il est en permanence en train de franchir la frontière entre l'entreprise et son environnement. Hein, la logistique. Alors on considère généralement que ces fonctions qui sont à l'interface sont des fonctions qui sont critiques. Pourquoi elles sont critiques? Parce que si elles sont à l'interface, il y a une partie qui est à l'extérieur, et qu'évidemment, il n'y a plus l'autorité hiérarchique qui est là à l'extérieur, et donc, c'est une zone d'incertitude extérieure pour l'entreprise. C'est pour ça qu'elles sont critiques. Hein, on ne va pas maîtriser tous les flux externes. Alors qu'en interne, c'est beaucoup plus simple, a priori. Donc, des fonctions critiques qui se trouvent à l'interface entre le système et ce qui n'est pas lui, c'est-à-dire son environnement. Autre problème lié évidemment à la frontière, c'est qu'aujourd'hui, les frontières des systèmes entreprises se déplacent. Elles sont mouvantes et qu'on n'est pas forcément capable d'ailleurs de cartographier. Il y a des groupes d'une telle complexité au niveau mondial qu'on est dans l'incapacité de faire une cartographie et de savoir où ils s'arrêtent. Donc, il y a des groupes ou qui représentent des systèmes et qui ne sont pas, enfin qu'on ne sait pas finir. On ne sait pas montrer où se trouve la fin du système entreprise. Ça, c'est quand même
un souci. Comment cela est-il possible? Par le jeu des participations en cascade. Vous pouvez avoir des participations en cascade, et au dernier niveau de la cascade, vous apercevez que la filiale de 13e rang, elle est actionnaire essentiel de la tête de groupe. Bon, c'est des cas extrêmement rares, mais effectivement, là, ça pose des problèmes d'identification de l'ensemble. Donc, des activités vont être internalisées et externalisées, et donc vont faire bouger la frontière du système. Internaliser, évidemment, c'est renforcer les composantes du système. Externaliser, au contraire, c'est le rétrécir. La tendance étant aujourd'hui qu'à l'externalisation. Donc on est plutôt dans l'amincissement des systèmes. Mais comme on généralise ces opérations d'externalisation, finalement, est-ce que le système ne s'est pas déplacé de l'entreprise à l'ensemble des entreprises qui participent à une offre commune? Donc aujourd'hui, est-ce que ce que l'on considère comme système dans le monde de l'entreprise, est-ce que c'est l'entreprise en elle-même ou est-ce que c'est le réseau d'entreprise? C'est donc tout le problème des firmes contemporaines.